Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manina, Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro, Télémanagent, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Mardi 4 janvier 2024, aujourd'hui, Libakwa Kolanda Bisso, j'allais dire mardi 4 juin 2024, Bokamati à travers le monde, Bakongo Manignon se parpillé, bonjour et bienvenue, Namanaka ya na Congo ya lelo bozola na biso na Kinshasa na 24 communes bozola na biso na Goma na Bukavu bozola na biso na Kwilu na Kenge bozola na biso na Kananga na Mbujimayi na Chikapa bozola na biso à travers la République démocratique du Congo kuna na Kindu na Maniema bozali na Kisangani tope na Kolwezi mbote na bino bana Congo esika bozali ezali Manaka, Italie, Mboka, Congo, Lobi Moleke, Tadam Okambi Ekolo, Félix Antoine, Tshisekedi Akutanaki, tour à tour, na président Assemblée nationale, Pena, président, Azali ko président Bongo, bureau, il y a bureau d'âge, j'allais dire, il y a Sénat, Wapibisika, ba solo laki et na sima ya ko solo na tata Mokambi ya ekolo président Assemblée nationale Vital Kamere a confirmé ki ke investiture ya gouvernement soumis noir et ko salema solo entre le 10 et 11 juin prochain talisa ki ke nyonso elenge na mi pour que yango et salema lolenge longo obani et na maloba na ye ba sola ki pe na makambe tali mboka Congo et na kotalaka situation sécuritaire économique sociale préoccupante ya mboka na biso parte pour un Congo retrouvé peser na mokuse ba sala ki déclaration politique si malabango ko vanda ko solo la batali si que ezali solo urgent ko procédé bongo na investiture ya gouvernement sama gouvernement soumunoa j'allais dire parce que mwandungundungu ezala ki na ngambo ya parlement ba ikepe ba susu bazolo bela ndenge gouvernement et tenir compte na équilibre géopolitique te ba Provence Moussouba s'est retrouvé TP Bato Moussouba Zalaki n'a pas s'est retrouvé Ndenge Zalaki prévu 10 députés à ministère Bango ba s'est retrouvé TP Kepe Basouba Bande Kosa la bonne pétition n'a habité dans quelles circonstances pour n'a bloqué gouvernement soumis noa ezala ekota na mosala te kasi peu ser na ngambo na ya talisi ke intérêt ya mboka esengeli eleka ba intérêt na biso de l'autre côté du Sénat na lobaki yango moto azali ko kambaka bureau d'âge ya Sénat kutana ki na tata Mokambi Ekolo et sauf imprévu élection un bureau définitif ya Sénat et kosale mabongo au plus tard le 14 juin de l'année en cours. Et autre chose, la RDC classée parmi les 4 pays les plus pauvres du monde. Comment expliquer paradoxe Oyo Tozana Katiamboka, Oezali Solo et Tondan Kita, na sol, na sous-sol Nango, et en termes ya bateau bazali na kati ya mboka wana ressources humaines ezali tellement ebele tellement makasi
qu'est-ce qui fait que nous demeurons dans la pauvreté et tozali na baya échelle na mokili mobimba tozali ko sombre mboka ba million mboka ya moto akoti lelo lobi kuna atongi di zimeble moto akoti na mosala lelo lobi kuna akomi millionnaire milliardaire. Mais pourquoi la RDC n'évolue pas depuis 60 lelo? Pourquoi on n'évolue pas tozali koko ba ko sombre na désespoir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la faute aux politiques? Est-ce la faute aux scientifiques? Est-ce la faute aux Congolais et même à la population? Pourquoi notre pays n'avance pas? Nous allons essayer de réfléchir. Le lenge et longo banide de toebi ke biso a tolobaka Congo, tolobaka mingi mingi batote poto kanisaka ba ide ou ekotonga mboka au-delà des événements, au-delà des individus, au-delà du pouvoir Tshisekedi Kabila et autres. Puisque je parle du président Kabila, joyeux anniversaire, puisque aujourd'hui c'est le 4 juin, joyeux anniversaire au Raïs Kabange. Tobandi et monsieur Atongo Lelo, Toza Bongo na Andeko, Jean-Pierre Galula, il est proche du FCC. Mon ambo kambo te pebo ebola. Mbote na yo, Manaumi, mbote longo na Andeko tokondongwana na ena lisano na politique na Tongo na Lelo. Na tombeli pe ntoma wa ekolo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukishi, Momai, Wakaninda, merci mengi chef de l'État. Tala mosala malamu ya gestion na yo, pays na biso ekomi classé parmi les meilleurs pays pauvres et très endettés. Oyo etali si mosala na yo malamu, tala Kabila salaka 1 plus 4, mais chef de l'État yo sali 1 plus 6. En tout cas, il y a une innovation, ma casse chef de l'État. Comment ça, 1 plus 6? Cassité aux homonatés. Présidium, il y a union sacrée, plus président de la République. Les six saints, les six Nzambé à Congo, ceux qui ont décidé, Ndeli Kamboane Koleka. Chef de l'État, Kabeli Bangomboka. Tokotambu Sama Boulongo Bana, Ndenge Mote Manabango et Moni. Ceux qui ont moni que bandimi, ceux qui ont moni bandimi, te, baboui na bango totika lindenge wana, chef de l'État, Moussala na eleki malamu mingi. Tala Moussala na malamu mingi, chef de l'État, makamonion se koti mboulungana na kati na ekolo, me yo Moussala ezali malamu. Chef de l'État, toko kisi lelos, si moi, yango tozo kende. Tala Moussala na yo malamu, ndenge ba député, ba kani, ba lobi, ba ko sabote événement, ya ko investir gouvernement. Bako saboter pour nanini selon otoyokeli tozo préciser te kali ya solo kasito yoki te ba député ba kosenga bambongo équilibre politique yali na ngote bandundu mobimba ministère kaka be moko manie mako le la ministère ba juite noki chef de l'État lobika kwa ko landela likambongo atala. Ça c'est quel type de pays? Chef de l'État étudia qui m'a la moté et m'a sale. Mais tout le monde ne peut pas se retrouver. Bazo violer ma propre principe. Na bango moko. Talandenge baloba ki di député ministère moko. Mais tozo kouta batoyo. Bazali atana 10 députés en goté. Mais ma bimi ba ministre. Ba chef ba regroupement. Ba komuna bango ba fond de course. Tala batoyo. Ba tiki statia IDPS. Ou tondi ba makambo bele bele na bo soto ya ko reviser ba sundoli yango ba moni eloko ko reviser mala mozali constitution. Merci beaucoup. Mama Naomi ezali très dangereux yango to sengi na ba imboka les révolutionnaires, vous devez vous tenir debout na sengi na ba imboka toli ki ben nzambe un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président Kabila et son régime n'ont pas fait mieux, puisque ceux qui basa qui mieux tenaient au micro dans la situation pétain de Jean-Pierre Galula. Malambo Kafedi Mukendi, bonjour et bienvenue. Motola motobosa responsabilité nae. Bonjour Ndeko Naomi, bonjour na ko débatteur nanga. Bonjour na ba téléspectateur ya Congo pour na Congo, parce que ça fait longtemps. Vraiment. To kutani na bangote. Nazo pe sambote comme de onanga na mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis nazo pesa mbote na autorité morale à partie na biso Union pour le valeur tshisekediste le sénateur José Kalala Wakalala. Mais je profite aussi pour na ko féliciter Guy Mwadjanvita et Jacquemain Chabani qui sont nommés respectivement ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, de notre pays. Merci pour l'invitation.
Et on est là. Très bien, merci beaucoup, Mbotka Mbutu, au sein de l'Union Sacrée, le président de l'Assemblée nationale, Akeko Kutana Tata Mokambekolo, pour préciser que le gouvernement est bel et bien investi, malgré Ndungu Nakatia Parlement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une maîtrise et la majorité dans la binote? Tout ça, la maîtrise de ma casse à majorité Nabisso, à la différence du camp politique de mon ami en face, le camp politique de Joseph Kabila, où il n'y avait qu'un seul son. Donc, il n'y a que l'autorité morale, Joseph Kabila Kabangi Raïs, qui peut désigner qui il veut sans aucune discussion. Et que quand tu es dans son camp politique, tu ne peux pas émettre un point de vue contraire. Vous vous rappelez, Vital Kamerhe, le fait, ne fût-ce que d'avoir dit que les militaires rwandais qui sont autorisés d'entrer sur le sol congolais, on n'a pas informé l'Assemblée nationale, moi, président de l'Assemblée nationale, Naïb Yangoté, Vital Kamerhe a été éjecté. Nous, à l'Union Sacrée, nous prenons la démocratie, la liberté d'opinion et d'expression. C'est même pour ça que beaucoup de caciques de FCC avaient quitté FCC pour rejoindre l'Union Sacrée. Parce qu'ils ont trouvé que Félix Tshisekedi donne l'occasion à chaque Congolais d'exprimer ses idées, de proposer des solutions pour le développement de Mboka na biso. Je vous rappelle que lorsque Tokendaki ba élection, parce que nous avons candidat dans Mbujimaï, après publication et résultat provisoire par la CENI, Toyokaki na média, bande de l'Union Sacrée, les gens disent, moi, c'est moi qui a été élu, balongolinga na liste, ba autorité moronangaï, de Asseli Boye. Tout ça, ça s'est tu. Pourquoi? Parce que en tant qu'humain, nous avons des différentes manières de réagir aux événements malheureux ou heureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas raison? Je vais finir. Puisqu'il y a tant de mécontentement dans Gamboya Union Sacrée, une partie politique, Mosaïque Idepes, bataille la part du lion, Batomosusu, région Mosaïque Idepes à 15%. Se Mosaïque et Idepes à 15% au gouvernement. Je reviens pour dire les frustrations, c'est le fait qu'on est humain. Moutounyonso réagit à un échec ou bien à un événement malheureux de différentes manières. Les uns acceptent directement que n'a échoué, banomé ngaïté, je vais utiliser des stratégies futures pour que nazala considéré. Les autres, lorsqu'ils échouent aux élections ou bien ils échouent à être nommés, il responsabilise. Tu vois, c'est tout à fait humain. Mais après tous ces nungu-nungu, les gens arrivent à comprendre que non, on ne peut pas nommer dans un gouvernement 500 membres parce qu'il y a beaucoup de partis politiques à l'Union Sacrée. Il faut dire que c'est le gouvernement le plus représentatif qui a respecté le premier, je pense, le premier gouvernement, depuis que moi je suis grand, qui a respecté la géopolitique. Parce que dans ce gouvernement, en dehors de Maniema, toutes les provinces s'y retrouvent. J'ai les statistiques. Toutes les provinces. Et cela, sans distinction. Des deux, c'est dans ce gouvernement, pour la première fois, qu'on trouve près de 11% des technocrates qui n'appartiennent à aucune... À aucun regroupement politique. Ça n'a jamais existé dans notre pays parce que dans notre pays, c'est soit tu essuies les souliers de l'autorité morale, aux obines et l'autorité morale, le quoi, le professeur Moko a peut perdre, aux obines et la de Joseph Kabila, pour être considéré secrétaire permanent du PPRD. Donc, ici, on a considéré les technocrates parce que le chef de l'État et la Première ministre, son Excellence Judith Toulouka, tiennent compte de qui va venir travailler pour l'intérêt du pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit « je dois être là ». Qu'est-ce que vous avez comme bagage?
Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour le pays? Parce que être au gouvernement, ce n'est pas un cadeau. Ce sont des responsabilités, c'est une charge. C'est dans ce gouvernement, pour la première fois, qu'on a respecté la Constitution en termes de parité, de seuil de représentativité de femmes au gouvernement, avec plus de 30% des femmes qui sont au gouvernement. Il n'y a que Félix Tshisekedi qui est capable de faire des choses comme ça. Cette disposition a été votée dans la Constitution pendant que Joseph Kabila était en train de gérer. Il a fait 18 ans, il n'a pas considéré les femmes. Il n'a pas considéré les femmes. Il n'a même pas atteint 15% des femmes au gouvernement. Il n'y a que Félix qui connaît que la Constitution nous oblige de le faire et il le respecte. Je vous rappelle, il y avait l'obligation de la gratuité de l'enseignement. Il n'y a que Félix qui est venu matérialiser ça. Après 18 ans que les autres étaient au pouvoir, ils n'ont pas été capables de le faire. Toujours dans la représentativité. C'est dans ce gouvernement qu'on retrouve de jeunes. Vraiment de jeunes. C'est dans ce gouvernement pour la première fois qu'on a un opposant qui est ministre. Est-ce un gouvernement d'espoir? Oui, de beaucoup d'espoir. Parce que moi, je crois en Félix Tshisekedi. Je crois en Félix Tshisekedi. Je crois dans les compétences de la première ministre. C'est quelqu'un qui a une expertise prouvée, qui n'est pas à rechercher. Elle a travaillé dans les organisations des Nations Unies, même au niveau international. Pour arriver là-bas, ce n'est pas une recommandation. Moi, toute ma vie, je travaille dans les organisations internationales. Pour arriver dans ce poste-là, ce n'est pas des recommandations. Il faut avoir la tête qui tourne. Il faut avoir un cerveau bien recyclé à l'école, à l'université, mais aussi avec des expériences de travail. Merci. Je crois en ces deux personnes, dans leur vision. Et je sais que ce gouvernement va pouvoir matérialiser les 6 engagements du chef de l'État de son deuxième quinquennat. Très bien. J'ai foi. Mais cela ne veut pas dire que j'attends comme un aveugle. Parce qu'à l'Union sacrée, on prend la démocratie. Nous allons juger le gouvernement par rapport à ses réalisations. Merci. Mais quand je regarde les CV à ma ministre, cher ami, il n'y a pas pareil. Merci beaucoup, Madame Boka, gouvernement souminois. 5 mois après, 6 mois presque après les élections, après prestation de serment à Tata Mokambekol aujourd'hui, Bazoé Bissabiso et Kambetali, poids politique, géopolitique. Mais est-ce compétence, taux confiance, Tata Mokambekol, ou à Sali, Baïkepe, Bassous? Est-ce que gouvernement, Yango, Ezali, gouvernement, il y a situation à la hauteur, il y a pas problème, Otozan, Yango, Maître Jean-Ping Galoula? Merci na yo mwana mboka yambona na limbo la mokonzo ya yo na yo ki pasi makasi na motema koyoka ndeko na ngai ya lobiete babengana ka kamere pa ya Kabila paska chaka point de vue juste point de vue ya pamba nde salaka ke bayaka ko bengana ye ndeko na ngai bongo kabundo za wapi asalaki nini mabe nini ya salaki polelo azala isika azali bokanga ye sans ko pesa ye areo ezo kondane mutu ba kondane yo me areo ezo kondane yo tilelo batikala ko pesa ete il est où? C'est parce qu'il avait fait quoi? N'est-ce pas qu'il avait donné un point de vue? Est-ce que c'est que Kabunda avait dit? N'est-ce pas ce qui s'est fait aujourd'hui? Donc je suis désolé. Et alobi ete Kabila atikala ko nomé te qu'on considérait bas-cité. Non. Mais dites-moi une seule femme que vous avez nommée Oyo Kabila, Oyo Tshisekedi, Yemoukwa créé na politique na Azalite. Tous ces gens qui sont nommés, ce sont des anciens du kabilistes. Mais la question majeure n'est pas là-bas. La question majeure est-ce que ce gouvernement ici arrivera-t-il à résoudre les problèmes du pays? Nous disons non. Non, pourquoi, maman? Parce que M. Tshisekedi est en train de nous amener à un fonctionnement de la République par un système de qui perd gagne. Comment ça? Mais oui, chez Tshisekedi, vaut mieux échouer pour avoir un grand poste. Quand vous voyez madame la première ministre, que je respecte beaucoup, qui a échoué au ministère des plans,
récompensé comme premier ministre. Ça, c'est normal. Quand vous voyez Kamere qui a échoué au ministère de l'économie, échoué comme étant directeur du cabinet du chef de l'État, récompensé, bombardé comme étant président de l'Assemblée nationale, ça c'est l'union sacrée. Lorsque vous voyez M. Kabuya qui a échoué dans la gestion de l'IDPS, rendu l'IDPS aujourd'hui invivable pour les autres, les pionniers de l'IDPS qui ont souffert, aujourd'hui, récompensé à des grands postes, ça c'est l'IDPS. Quand vous voyez par exemple, madame, vous voyez Ngobila qui a tué la ville-province de Kinshasa, invalidé pour l'immoralité et tout consort, devenir sénateur, ça c'est l'IDPS. Alors, le gouvernement ici, maman, noir sur blanc, c'est un gouvernement qui a déjà eu à annoncer et à démontrer les indices sérieux de l'échec. Ils vont échouer. Comment on va continuer dans mon salaire? Maman, les chefs de l'État disaient que. Tozo Kanaba échoué, tes chefs de l'État, tiens, Bangoba échoué. Qu'est-ce que le lingon a joué? Boni Motoko échoué à gauche, Yokamato qui tient à droite. Boni Moni, et qu'on s'est demandé. Yomoni Balongoli, Ndeko Lokola, ministre de la Défense. Oyo. Tata Oyo Babengi Jean-Pierre Mbemba, irrespectueux. Moto Tobanga Kakala. Jean-Pierre Mbemba aux années 2006-2005. Mais Nzambe, qui pouvait tenir devant Mende devant, devant Bemba. Igwe, aujourd'hui réduit au ministère des Transports. Et j'ai dit, M. Mbemba, là où vous me suivez, qu'on soit ministère ou en Ateboué. Comment ça? Colanda qui veut permettre. Alors que le pays a plusieurs défis, n'assemble. Quel défi? Likambetali Banzela partout, Likambetali organisation Emituka, Bavion, Tosa Langote. Madame. Comment? Madame. Non, presque coupa. Tout s'est fait au Congo sous la volonté du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Tout dans l'Union sacrée. C'est la vision du chef de l'État. Est-ce que ce gouvernement va nous amener où? Au Kanisi que casting on est à Malamonte. Casting on est les Kanis mabé makashi koleka. Nambaza qui n'a mon andeko. Ça va. Mais kaka bilongo ya kala. Ba miyibio yo ba détourneur ba voleur. Motoa yibibi sombongo ya ram. Ba songesiye. Osa monta mabé comme yibise. Mais non non mais je vous dis mbongo na biso ram eza wapi? Dites-moi madame. Mbongo ya ram kenda wapi? Vous pouvez me dire là où on est kenda na yoki ke azolu kabagisa et là comment on va s'égaliser sous le col à ram. Nous avons cru voir les jeunes de l'IDPS nommés na mbanza ki comment on a bilongi à sika, mais non kaka bilongi à kalaba miyibio ya kala o babo mimboka, qu'est-ce qu'ils vont apporter de nécessaire? Non, est-ce que vous pensez que mon frère ici ne méritait pas être ministre? Non, il fallait commencer, il fallait prendre Babilongia Kala Kala Oyo Baeshua Kala, Bamisous Bazo comme ba ministre, sous ba relation avec une belle famille. Alors venez faire la politique comme nous, vous battre pour devenir là. Ce que nous disons, la priorité ici, dans ce gouvernement, ici de Bazo Kota. Oui, priorité na bango maman, c'est réviser la constitution. Koko Misa Tshisekedi empereur en République démocratique du Congo. Ma priorité na bango. Et comme il est long, il y a un important, tu as révisé la constitution. La constitution des eaux bloquées. Priorité na bango long, na nzala. Priorité na bango long, na dollar. Priorité na bango et long, na kozong sa loyer ya franc congolais. Priorité na bango comme il y a un bon sens. Maman Nangaï, est-ce que yo si na mbokani, lokolo ya biso yo, na landi mbodneko moko, sénateur moko, alobi que il faut bazwa. Élection, CENI, Baluboulongola Yango, Bakamata Poste, on a pas pesé dans l'organisme international. Les Congolais réfléchissent que très mal. Les Congolais n'ont pas besoin de leur propre pays. Ah, ou l'on a dit, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça dit que aussi longtemps que, à ce jour, nous avons 1+6 qui gère le pays, à ce jour, nous avons un certain tout-puissant Kabuya. Qui tient les réunions avec
Tout le monde, il appelle à un certain moment les sénateurs, il les réunit, lui aussi comme sénateur. Il appelle à un certain moment les députés. Tantôt c'est le chef de l'État qui tient des réunions avec les autorités. Kabuya tient aussi de son côté. Dans l'entretemps, il y a les six dieux de la terre, les six petits ninjas qui se mettent aussi pour dire « Non, voilà, nous n'aimons pas ça. » Les députés de leur côté bloquent les frustrations de tout ça. Omoni, est-ce que chef de l'État comme sa gouvernement a bossani maniema? Espace bandundoza na ministère kaka moko. Maman, zwanzela oto benginzela monga tati bandunduville. Je viens du bandunduville, je viens assez après de deux jours ici que je suis à Kinshasa. Je vous dis madame, impraticable. Est-ce que bandundoko ko bimana ministère moko? C'est le chef de l'État qui dit maintenant que batala likambo na maniema. Mais quand vous étiez en train de signer, vous avez oublié ou quoi? De quoi l'obé que... Moi, quand il y a un bango, il y a un autre opposition. Ah, t'y maman. Wana barakoulage. Wana barakoulage. De quoi l'obé na yo que c'est le meilleur gouvernement. Na yebiche que c'est le plus mauvais gouvernement qui va exister au monde. Tale sika tozali. Tale sika tozali. T'as commis le quatrième pays le plus pauvre au monde. Maman Soumine Azala qui wa. C'est lui qui était ministre il y a Nini, non? C'est lui qui était ministre il y a plein. Et Kamer était où? Kamer était ministre de l'économie. Qui était ministre de finances? C'est qui? Bakaza dit, non, ça m'a échoué. Merci beaucoup, ça qu'il faut retenir ici, Bato Oyo, l'unique chose à faire, c'est demander qu'ils doivent partir. Ils doivent démissionner. Le chef de l'État doit déposer. Mbokele qui est kilo. Tu sais que des autres qui sont kilo. Merci beaucoup. Avant que vous soyez en Zambata, vous avez un événement où il n'y a pas à qui manéga à Sundo. Non, non. Bambate, à Zombon a été. Azan a 5 ans, il est là. 5 ans, il est là. Mais la gestion, Nini, maman. Merci beaucoup. La gestion, Nini. Moto un joueur, Zoma Tsarabamba grade. Très bien. Joueur à footer dans le terrain, entraîneur à Dinde, mettez-le. Merci beaucoup. Tout évolué. La question sur ce qui est sûr, gouvernement, qu'on a investi, et puis tout le monde, mon sang, la banque, avant même tout juger, avant même tout critiquer, c'est ça la logique, puisque, continuons, on a mon sang, la témoin, topé, sa banque, point, topé. Critique que ça lui pense. La question sur la pauvreté, on est à question à mon âge de réfléchir, Nabino Nabisso, puisque depuis l'indépendance, le lot Tosali vraiment 64 ans, Tosali Kokende dit le 30 juin, Mbo Kanabisso, Ezali Namaboko, Yaba Congolais, Bango Moko, Bapayate, Tosali Kokambambo, mais pourquoi Tosali Koevoluete? Qu'est-ce qui a fait que, à travers l'histoire, la question sur économie, sur production locale, Ming Tolobela Kango, semaine dernière, mais pourquoi Tosali Demere, Forti Yabana, Ninde Kofedi Mokendi, pourquoi Tosali situation haute aux Angolais. Est-ce que Mboka est zongissime? Bon, avant de répondre à cette question-là, je vais corriger quelques hérésies dans ce que notre ami a dit, parce que c'est un débat. Je pense que un avocat, un juriste comme il est, avant de dire des choses, il faut vérifier. Avant de venir dans un plateau de télévision, une télévision aussi sérieuse qu'on congobeuse, il faut lire pour savoir l'espace grand Bandundua et combien de ministres, l'espace grand Kassai a combien de ministres, l'espace Est a combien de ministres. C'est écrit, vous pouvez trouver ça. Et je vais vous les donner. Quand elle dit, Judith avait échoué, Kamer avait échoué, il ne donne aucun indicateur de ses échecs. Parce que pour évaluer quelqu'un, il faut qu'il y ait un programme d'action. Quand il y a un programme d'action, il y a un programme d'action. Et puis, il y a un salaire. C'est lorsque vous trouvez qu'il est en dessous de 50% de sa planification que vous pouvez dire avec fierté qu'il a échoué, il ne pouvait pas être reconduit. Ce n'est pas dire comme l'opposition à RDC, ils ont échoué, ils n'ont rien fait, ils doivent démissionner. Ce gouvernement n'a pas de chance. Comment ça? Sur base de quoi tu dis qu'il n'a pas de chance de bien faire? Parce que pour évaluer une personne qu'on vient de recruter, qu'on vient de nommer, il faut lire son CV. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Quelles sont les études qu'il a réalisées?
Est-ce qu'on peut lui donner les chances? Est-ce que les Congo ont un problème de diplôme et de CV? Est-ce que je peux finir? C'est les diplômes et les CV qui peuvent faire développer cette nation. Laisse-moi finir. Est-ce que, au vu de tous ces critères, on peut donner la chance à ce monsieur de bien faire? Mais ne disons pas que ce monsieur, du fait de son diplôme ou de son expertise, il va 100% réussir. Parce qu'on peut avoir les diplômes, mais ne pas avoir la volonté de faire les choses. C'est pourquoi moi, quand j'ai parlé, j'ai dit « Nazo le bate qui va réussir 100%. »« Nazo le bate, il faut toser là, basa la moussala, toi apprécier Bango sur l'État. » Mais sur le plan d'expertise, c'est parmi les meilleurs de gouvernement qu'on ait eu. Nous pouvons les comparer. Il n'y a pas des gens qui sont recrutés là-bas parce qu'ils ont dansé. Ils ont dansé pour l'autorité morale, non. Il y a des gens qui ne sont même pas de partis politiques, qui sont au gouvernement. Près de 11% de ces gens sont au gouvernement. Ils n'appartiennent à aucun parti politique. Vous voyez? Alors que du temps de Raïs, il faut danser un tout petit peu pour lui. Il faut dire tous les jours Raïs, 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 Zonga, Zonga, Zonga. Même après que le mandat soit fini, il y a des gens qui estiment toujours Kabila faut à Zonga. Comme si notre ami, s'il n'est pas congolais, lui ne peut pas briguer le mandat de président de la République. Il faut qu'il y ait Mutumogo Wana. Moi, je pense que même Olive Lemba, à quoi le Makamwana, Tika Kabila Zonga, parce que Olive Pé Aza congolaise, à quoi briguer mandat à cause de la présidente de la République. Mais il y a un temps, il y a Kabila, Kabila Zonga. Donc, ce gouvernement, moi, je lui donne la chance. Et nous allons le voir sous l'État. Si ils font mal les choses, nous allons les critiquer parce que nous, à l'Union Sacrée, c'est ça. Bah, il y a un gouvernement, nous avons un bidiotivore, puisque c'est 54. Je vous rappelle qu'Adolphe Mujito, Adolphe Mujito avait. Vice-ministre. Pourquoi? Je vous rappelle qu'Adolphe Mujito avait un gouvernement de 54 ministres du temps de Kabila. Le problème, ce n'est pas le nombre de gens. Le problème, c'est la qualité des gens qu'on prend dans le gouvernement. Mais ça fait trop dans un pays où il y a un problème. Moi, Mingi, surtout que le mandat Colombie a déjà réduction en train de vivre des institutions. C'est le fait que nous avons beaucoup de problèmes qu'on doit avoir un peu plus de gens. Parce que moi, j'ai une petite expérience dans la gestion de ressources, dans la gestion des entreprises. Si vous avez une entreprise de petite taille, vous engagez peu de gens. Si vous avez une entreprise de grande taille, vous engagez beaucoup de gens. La RDC n'est pas la Belgique par rapport à sa dimension. La RDC n'est pas la France, même pas l'Ouganda. Les États-Unis, à peine avoisinent une vingtaine de Écoute, les États-Unis à plusieurs États. À plusieurs États qui se gèrent de manière autonome. C'est différent avec nous. Le pouvoir est presque centralisé. Donc, je vais dire, le problème, ce n'est pas les nombres. Le problème, c'est le travail qu'on va faire. Je vous rappelle que Matata Ponyo avait 36 ministres dans son gouvernement. L'un de ses gouvernements, parce que notre, il avait 49. Mais avec 36 ministres, qu'est-ce que Matata a fait de factuel? Ne fût-ce que sur le plan d'indicateur, il n'a pas dépassé la barre de 5 milliards de dollars comme budget. Mais le gouvernement, sans mal au compte de 57 ministres, ils sont allés jusqu'à 16 milliards de billets. Mais puisque cet indicateur. Comment on est classé quatrième? J'ai dit ceci. Dans les plus pauvres. Mon cher ami, écoutez. Vos chiffres mensongers là. Écoutez. Vous inventez des choses. Écoutez, ce classement, ce n'est pas le premier. Il faut regarder en 2018. En 2011, la RDC était classée quatrième en termes de pauvreté. Et cette pauvreté, ce n'est pas la RDC, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire des choses juste pour plaire aux gens. L'ami a dit ici que l'espace bande, on n'a qu'un seul ministre. Oui. Mais c'est faux. Cité. Écoute, je n'ai pas à citer les noms. Écoute, je vais te donner les chiffres que tu vas vérifier. Cité. Je te donne les chiffres. Citez-moi les noms. Je te donne les chiffres que tu vas vérifier avec une source sûre. L'agence de sondage, Le Point, a fait des sondages pour savoir les degrés de satisfaction des Congolais face à ce gouvernement. 64% des Congolais sont satisfaits de ce gouvernement. C'est la même agence. Il montre que c'est un gouvernement le plus représentatif. L'espace Grand Bandundu a 19 ministres. Tu vas vérifier. 19 ministres. Vous allez vérifier.
Ne vous contentez pas des noms. Parce que moi, je suis entré dans les noms qui ressemblent au nom du Kassai. Il y a les gens qui sont de la province orientale. Je suis entré dans les noms qui ressemblent au nom. Ça, ce sont des données vérifiables. L'espace Bandundu, l'espace Grand Bandundu. Donc, Congo central, Bandundu et l'Équateur. Ils ont 19 ministres. L'espace Est, Grand Katanga, Grand Kivu et Grand Oriental, ils ont 22 ministres. Et le centre, Grand Kassai et Sangourou, ils ont 13 ministres. C'est vérifiable. Vous prenez la liste, vous demandez la biographie de chaque ministre. On va vous dire quelle est son origine. Il ne faut pas dire, parce que l'opposition actuelle, comme ils n'ont pas d'argument, leur plus argument auquel ils touchent, c'est le tribalisme. La lingala mwanambo. Batusha kamingi na tribalisme sans aucune base. Sans aucune base. Moi, je me recherche avant de venir dans une émission. J'ai lu pour ne pas venir dire des sottises dans un média aussi sérieux comme Congo Buzz. Donc, il faut enlever tout ça. C'est le gouvernement qui a créé vraiment la cohésion nationale. Toutes les provinces s'y retrouvent. Ils se retrouvent. Que la province ne se retrouve pas en dehors de Maniema. Il n'y a aucune province qui est passée dans le média pour dire que je ne me retrouve pas. Madame, vous êtes journaliste, vous pouvez me dire le contraire. Donc, je vais continuer pour dire à notre ami qu'il ne faut pas te faire avocat, ni de moi, ni des combattants de l'IDPS, ni de Jean-Pierre Mbemba. Non. Nous, on n'est pas en politique pour être ministre seulement. Nous pouvons servir le pays autrement et nous les servons autrement. Jean-Pierre Mbemba, vous avez voulu les tuer ici. Jean-Pierre Mbemba, pour lequel tu es devenu avocat aujourd'hui, vous l'avez envoyé à ce pays. Jean-Pierre Mbemba, il ne pouvait pas être en vue pour que tu dises Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Mbemba pendant 18 ans? Cher ami, on ne trompe pas, les Congolais ne sont plus manipulables. Ah! Bakabili se peut bazoloba. Azoloba au gouvernement, tu serais échoué. Au gouvernement, au salaté. Bango basala kinini. Si ce n'est Koboma bande kona bango. Chebe azawap. Yo, oebi chebe azawap. Kabundo zoloba. C'est quelqu'un qui a été jugé publiquement. Avec sa défense. Il a amené sa défense. Qu'il a défendu. Mais du temps du régime Kabila, si tu dis des choses que Kabundo avait dit. Mais on te met au fosse au lion. Il y a Gloria, Gloria Senga qui est portée disparue. On ne sait pas la retrouver. Ndeko Nabiso, honorable Mike Mukeba, qui se retrouve à Makala une année sans être jugé. Est-ce différent? Écoute, Mike Mukeba, vous connaissez là où il est, non? Est-ce que vous ne connaissez pas que Mike Mukeba, dans le média, il a incité les Congolais contre les autres Congolais, pour aller de... Ça, c'est pas grave. J'ai dit ceci. Ah bon? Mike Mukebaye, vous ne connaissez pas les infractions qu'il a commises. Toi, tu peux permettre que cet ami, ici, commence à dire aux gens, allez vous attaquer au Baluba, allez vous attaquer au Bangala, allez vous attaquer au Baswahili. Non! Nos lois interdisent cela. Senga, je n'ai pas encore suivi son dossier. Il faut vérifier pour savoir. Solo tribalisme et les caractères. Mais pourquoi Azali Bosso Bajich n'était pas. Mais Mike Mukeba, il est Moulouba. Il est Moulouba Bakangaye. Pour des faits que vous reconnaissez, vous comme médias, vous ne pouvez même pas parler de Mike Mukeba. Parce qu'il a même fait fermer, suspendre la chaîne qu'il avait reçue, l'émission qu'il avait reçue. Dans la déontologie, la presse, vous connaissez que ça ne passe pas dans notre pays. Il ne faut même pas poser la question, pourquoi? Moi, je crois que ce sont ces avocats qui doivent se battre pour que Mike Mukeba passe devant ses juges naturels. La justice qu'on nous a léguée par nos amis des musées de Joseph Kabila, on est en train de peiner qu'elle arrive à faire les choses telles que le chef de l'État le veut. Et on y arrivera dans ce deuxième mandat. Je crois, dur comme le fer. Donc, il y a une très grande différence. Les uns sont au cachot, les autres sont au cimetière.
J'ai dit le cas de Mbemba, c'est un cas patent. Parce qu'il a fait, il est devenu avocat. À comment avocat il y a Jean-Pierre Mbemba? Ou bien, tant que vous avez dit 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 que vous la responsabilité revient à qui? La responsabilité est partagée. Très partagée au niveau des politiques, des gestionnaires, au niveau des Congolais et au niveau des scientifiques. La responsabilité est très partagée. Je commence par nous, les Congolais, la population. Parce que le pays se développe grâce aux efforts de sa population. Les amis sont là, la majorité, je ne sais pas tous, à ne rien imaginer à faire. Bamoussou, bazana ba polémique à ba musicien, bamoussou, bazana ba polémique à ba tribu, bamoussou, bazana ba polémique à politique. Au salakanini, moi, j'ai des jeunes gens dans le quartier. Azoula Mouka, du matin au soir, il est dans le Facebook et WhatsApp. Papa, yo, qu'on ça le côté. Ah, moko yo bongate. Oh, yo, qu'on ça les athées. Mon cher, on a otim bujumai. Melvid. Na koutikin. Le matin, je sors, je rentre la nuit. Le matin, je sors, je rentre la nuit. Et ma vie change progressivement. Parce que si ma vie change, ta vie change, on va réduire la pauvreté. Mais peut-être pour vous, qui n'avons pas la bande de quoi, la bazar. Je t'informe, quand je suis arrivé ici, je venais de perdre mon boulot. J'ai fait 4 ans sans boulot. Et pendant ces 4 ans, j'ai tractionné jusqu'à mettre des choses sur la tête, en train d'aller vendre. Je te dis. Mais c'est, pendant ces 4 ans, en faisant ça, j'ai acheté une voiture. Je n'avais pas de boulot. Pendant ces 4 ans, j'ai réussi à parfaire mes études. Je suis allé à l'école de santé où j'ai obtenu un diplôme de maîtrise en économie de la santé. Avec mes moyens propres, ce n'est pas qu'on m'a donné une bourse. Il faut avoir des visions. Il faut travailler pour atteindre ta vision. Et nous tous, nous allons développer ce pays. Les scientifiques, je pense que les scientifiques, je ne les responsabilise pas beaucoup. Parce que si vous allez dans les bibliothèques, vous entrez sur les bibliothèques en ligne, les scientifiques ont beaucoup produit. Ils ont produit des propositions qui peuvent développer le pays, mais ces propositions sont peu utilisées. Merci beaucoup. Et les politiques, ils ont aussi une grande part de responsabilité. Parce que la gestion de la cité leur revient. Ils ont aussi l'obligation d'inciter les Congolais au travail, d'inciter les Congolais à l'entrepreneuriat, c'est ce que les chefs de l'État est en train de faire. C'est un processus, je suis sûr que nous allons y arriver. Merci beaucoup. La question sur détournement, corruption et tant d'autres, et que faire pour la République, que faire pour notre mère patrie, que faire pour la RDC, Ndeko Jean-Pinga Lula, la question sur la pauvreté, est-ce vous avez l'impression que tous les gens assima n'a ici qu'à toi avancer il y a 5 ans, il y a 10 ans? Merci, Maman Naomi. Question sur la pauvreté, c'est une question très pertinente. Je vais répondre à une deux minutes seulement, mais na kusengabe monite pe saman longo banandengo pe sipende kona moni aki à l'aise. Alors, Maman Naomi, d'abord na sengeline de kobolimbi sina bayimbo kabako landa, il s'est moqué des jeunes Congolais. Alors, les jeunes Congolais, ils sont là à l'autre côté. La pauvreté est une responsabilité partagée. À se manquer même dans les jeunes, ils vont dans le quartier. Aujourd'hui, ceux qui parient foutre dans le Ngengete, où est-ce que les Congolais peuvent être? Ngengena parient foutre dans le Ngengete, ça m'a botté. Pas plus tard que hier, je suis venu à papa Mogo, je suis venu à la poche de vie, papa, apparemment, tu as quoi? Je suis venu à papa, tu as un bon transport, mais tu as l'argent, je suis venu à la match à Paris, foot na l'été. Na avancé les bosses, na kuti maman moko kati bilamba bazo kanga ye simba simba maman likamuni na lobi papa na yaki na papi a Paris futa wana liaki na laki si mwana moko atale langa yundenge nini pona zombogo mwana kiminga na ngwa bominga
Voilà maintenant de quoi zolo ba été ba jeune congolais ba zo travailler été. Ba zo travailler été na musala nini. Na société nini tu sais que de créer au Congo. 5 ans d'Iran. Quelle est cette société qui bino bosali? Ata moko ezalite? Quel est l'emploi créé par Tshisekedi? Ezalite? Mais il se moque des jeunes gens. Oui, bazo si ça va à l'université, bazangi mosala ko sala. Azor ba kazaki ko tambwisa bani, lui au moins a eu même cette capitale là. Mais bana oyo ba kozo mbongo wapi nos jeunes ici, ils auront l'argent où? La responsabilité en matière de pauvreté là n'est pas partagée. La responsabilité revient au chef de l'État. Oh. C'est lui qui a eu le contrat social. Mais le président Tshisekedi a trouvé le pays dans cette situation. Ah, même pire, il a trouvé sa pire. Na lobby, hein? Na lobby, hein? Yo kouté le gosier koufa. Otiga noté ponani. Oh. Bon, ok, ça va, non? Tu as trouvé une chose ici. Yo kansenge moutouka o ezanango bien. Oko tchokouté ango koufa. La meilleure des choses. Non, oro bongisango. Laissez-moi. Oro bongisango. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis 5 ans? Azo bongisango petit à petit, mon frère. Mon frère, les il y a de cela 7 ans. Les universités sont construites. Attendez. Ah, les hôpitaux sont construits. Papa. Les routes sont construites. Papa. Les écoles sont construites. C'est la manière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande d'arrêter avec ça. Je peux dire. Si vous êtes ici pour le faire de Dialelo, pas moi. Je ne fais pas de Moi, je parle de la nation. Quel est cet hôpital? Je parle de fait. C'est où? Je peux te citer. Non, non. Si toi, tu ne connais pas moi, je tu vas le dire. Quelle est cette entreprise construite? Tu peux me dire combien de jeunes engagés par Tshisekedi? Au côté de l'Araba, comment on a bango? Baza engagé ou où est parti les millionnaires alors que Mbokazo classé 4e pays le plus pauvre de la planète? Un millionnaire, tout le monde a qui va couper sa tête. Voilà, un millionnaire. En valeur. Yo, si on est millionnaire, Azanga entreprise. Millionnaire, Azanga Moussala, Bimika millionnaire. Actionnaire d'entreprise, Nin. Azanga entreprise. Mboko, Tchoubibiso, formons la vente au côté de la morgue. Bazoko, Sabiso, Alei, Nin. On va dire, bon, millionnaire. Où sont partis ces millionnaires? Attendo ya ata paquet a jiba tindikuna, quels sont ces millionnaires? Maman, allo bien wali kambo ya répartition ba ministère. Mais arrêtez de se moquer. Déjà, agent soit nos yeux en moi. Déjà l'espace Kasai yemoko, ce qui na bungite dans les 30 quelques ministères. Wow, citez les noms. Toi, tu cité le nom, parce que le passé oriental n'a que cité. Écoutez, toi, tu n'as pas cité, tu veux que je cite. Oh, mon cher. Tu trouves ça facile? Moi, j'ai cité la source. Attendez, tu peux aller voir dans la source. Quelle source tu m'as donné? Quelle source? Agence Le Point. Ah, voilà. Oui. Voilà ses sources. Agence de sondage Le Point. Le nom de Facebook, na Twitter, na Baninio. Le problème avec lui, c'est quoi? Alex Sagatan, na Eming, na Bababa. C'est un influenceur de TikTok. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a 19 ministères. Oh. Espace Grand Bandundu, ça veut dire le Congo central. Mais comment tu peux dire espace et l'équateur? Mais au moins, ça. Regardez-moi ça. Il dit espace Grand Bandundu, Azo Kuzuana, Congo central, à côté de Sinakati. Maman, non, mais tu l'as invité là. Donc il prend l'espace Grand Bandundu avec quoi ça va espace nul. Non! Grand Bandundu, c'est Grand Bandundu. Congo central, Congo central. Kinshasa, Kinshasa. D'ailleurs, si tu parles dans cette logique-là, on a un système la province de Léopoldville. Là, ça prenait Congo central, Bazaïr qu'on appelait. On prend Kinshasa et on prend truc. Si tu parlais dans ce cadre-là, je pouvais un peu comprendre. Mais ne dis pas que l'espace Grand Bandundu s'est mélangé avec l'espace. Peut-être que l'espace Grand Bandundu, la configuration 11 provinces, Lelo, Zakuilou, Kenge. Je t'ai dit l'espace Grand Bandundu dans son entièreté, ils ont un ministère Moko. Ça, je vous l'ai dit. Qu'il cite les noms, il était incapable de citer les noms. Sa source n'a donné que les pourcentages, il n'y a pas de noms. Qu'il cite les noms. Donc, je suis en train de te dire, Ndekonangaï. Évitez de dire ça. La population souffre à un niveau que tu ne sais pas. Batobazo souffre à un degré où tu ne sais pas dire. Mais ce n'est pas pour autant, il faut que ça bango. Non, non. Espace grand gassara. Écoutez ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que je suis en train de te dire. Donc, yoka simba ete, comme kakolobali kamuna pauvreté te. Tu sais que non, il faut fait. D'abord rectifier. Le contraire. Grand Gassai n'a pas 30 ministres. J'ai dit, c'est presque 30 non, parce ministres. Non, parce que chaque province s'y retrouve. Allez-y. Attendez. J'ai les documents devant mes yeux. Ouais. Kassai oriental, 6 ministres. Mongala. Mongala, 5. Nord Kivu, 4. Sud Kivu, 4.
Tchopogo 4, Kasai Central 3, Congo Central 3, Okatanga 2, Ituri 2, Kwilu 2, Maindombe 2, Nord Ubangi 2, Sankuru 2, Sud Ubangi 2, Tanganyika 2, Bazuele 1, Équateur un ministère, Olomami un ministère, Owele un ministère, Kasai un ministère, Kwango un ministère, Lomami un ministère, Lualaba un ministère, Tchapa un ministère, Kinshasa zéro ministère et puis Maniema zéro ministère. Je pense que les téléspectateurs se rendent compte que notre ami ne lit pas avant de venir. Hein? Madame, vous avez lié un document sans nous donner la source, sous réserve de ce que vous dites. Mais même si nous partons dans ce cadre-là, l'espace Grand Kasai à lui seul a déjà, plus de 10 ministères. Plus de 10 ministères. Ce qui est proportionnel à la répartition normale. Ça s'explique. Voilà, il dit ça s'explique. Oui. Invitez-nous au gouvernement. Mais oui, ça s'explique. On revient à ce que j'appelais, je disais. Nous, on s'attendait ceci. Que si l'IDPS au pouvoir, nous allons abuser sur l'ingé aussi là. C'est le contraire, madame. La pauvreté en est encore ajoutée. Félix Tshisekedi, à part qu'au Kabola ba poste, à part ba voyage, à part ba frustration na bango, à part faire des confusions entre ba règlement d'ordre na bango moko, leur bêtise à l'interne, ba memi ango be kolat sa constitution, il ne pense pas à la nation. Il ne pense pas à la nation. Est-ce qu'il fallait, il ne fallait-il pas relancer Bukanga Lonzo? Est-ce qu'il ne fallait-il pas donner beaucoup de moyens au général Kasongo de Kanyamaka Sese de reproduire encore beaucoup? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'on tombe là-bas, vient à Bissot? Il ne fallait pas faire Banzela? Qu'est-ce qui est urgent? La pauvreté doit avoir un programme. Quel est ce programme? Vital Kamerhe avec le ministère de l'économie, tiens, Longwe, à Kendeko, il y a la banque. Mais ce qui est vrai, dans les pays normaux, il y a tout un programme, je ne sais pas moi, de 10, 15 ans, même 20 ans, au maintenant, ça zoya, zo coûte, zo travaille, na sans soana, pour que Mboka se développe. Si y'a zo, tu sais que quand vous dites que tu sais que tu es fautif, tu sais que d'apouti nini, à sali nini, pe à longoli nini. Merci beaucoup. Tu sais que d'apouti qui société d'avion à bavion tozo maté, koufat. Tu sais que d'apouti qui dollar na 16, le lot dollar est en 28, n'est-ce pas, Kabomi? Tu sais que d'apouti qui biso, na Mboka na biso, oyo. Mais il y a courant quand même, Ezalaki. Lelo Oyo, courant comme visiteur, il y a bateau à foutre à la facture. Nyon son assinel et salaire à Mabé, sauf que la machine ou imprime à la facture. Tu sais que d'Akuta qui n'a pas de cannabis, Oyo, n'est-ce pas, Zaliawa. Tu sais que d'Akuta qui Congomani n'a valeur. Tu sais que d'Akuta qui est agence de voyage et Belen, n'est-ce pas, comme il peut être. Tu sais que d'Akuta qui n'a pas de cannabis, Zalaki respecté. Tu sais que d'Akuta qui dette extérieure, tu as dit que nous sommes dette extérieure. Plus de 10 milliards. Akuta qui a monté. Tu sais que d'Akuta qui biso, nambo kanabiso, oyo, oyo, tozo beta ba, ba moana, ba moana, ba frisaction, ya famille politique qui était pour gouvernement, et bima. Tu sais que d'Akuta qui biso, nambo kanabiso, oyo, oyo, en tout cas, soko zalina 100 000 francs congolais, aux alina 100 dollars. Mais aujourd'hui, tu sais que à Tigibiso, 100 dollars, Nabiso à 100 dollars, Oyo, et comme 40 dollars. Encore qu'il faut vérifier, et comme 35 et quelques dollars, parce que ce que l'on somba dollars. Tu sais que d'Akuta Kibiso, militaire, Azalaki, quand même, moi, madame. Madame, le problème, tout ça, na yango, lelo, Oyo, c'est le problème, yake. Quel était le programme du chef de l'État sur la pauvreté, sur la vie sociale des Congolais? Il n'y en a pas. Mais il faut dire qu'on a 6 engagements au-delà des emplois. On a coupé ça, là qui matisse bon production. Vous savez, au Congo, en réalité, économie. En réalité, au Congo, si les présidents de la République, même ceux qui viendront, ceux qui ont eu le Cameroun à l'obisicoté, au salaire PK et l'autre côté. Au Congo, le mandat du chef de l'État est de 3 ans en réalité. Parce que le premier mandat, aux hommes maîtres d'institution. Deuxième mandat, c'est le dernier mandat, c'est le mandat pour les élections. Alors, lorsque vous perdez 7 mois déjà pour les installations, pour les conflits intestins, il
y a côté ba institution en place. Donc vous avez déjà perdu presque une année dans le vide sans travailler. Et quand est-ce que vous allez mettre les institutions en place? Pour moi, je vais conclure en disant ceci, maman. Oyebike, ba jeune na biso congolais, tous à peine nous avons conscience. La conscience, c'est quoi? C'est que lorsque tu kende na ma ponomi, tu pona moto oyo, y a ici ka ya malam. Arrêtons avec la complaisance. Les lota la IDPS n'engas ont souffrir. Alors, il n'y a pas de la IDPS, il n'y a pas de la bangote. Non! Ce sont des Congolais comme moi. Et c'est ce qu'il m'a laissé dans l'IDPS. Peut-être qu'il y a un côté à voyer. Alors, peut-être, quand vous avez vu ce qui est Bruno Mavou, lorsque nous étions à cette époque-là, na Albert Moleka. Un peu plus loin, tu vois, comme na Bakabundu na baye début. On n'a pas connu l'IDPS d'aujourd'hui. L'IDPS au pouvoir, tu as là, tu n'as pas besoin d'accord à l'IDPS. Force du progrès, transformer la banne à Koulouna. Mais ça, la vérité. Merci beaucoup. Formation à Malongate. Donc, je suis en train de vous dire ceci, madame. Ce qui vit social, Nabiso Ezali, l'élo en lambeau, les tissus de la vie sociale est en état de délabrement très avancé. C'est parce que le chef de l'État congolais qui a eu le contrat social, parce que les gens ne savent pas, c'est le chef de l'État qui prend le contrat social avec la population, n'arrive pas à répondre de ses responsabilités et n'a mis en place aucune politique qui peut sortir le pays dans la pauvreté, merci, créer les emplois, faire à ce que les Congolais commencent à produire à l'interne. Très bien. Bon, cannabis, c'est quoi importer, même Nabatonga. Merci. Vous allez parler de Kabila, mais il est déjà parti. Très bien, merci mais beaucoup. Mais vous êtes déjà parti. Quelqu'un nous est-ce que dans 5 ans, tu ne peux pas faire une merci entreprise? Beaucoup. Quelqu'un nous rappelle ici, c'est sous Kabila Kotozui. Phénomène Koulouna, encadrement jeunesse zéro, banignon sur Kabila, ti lelo, mais sous tu sais que tu peux te dire mon bon but. Ah, mais oui. Merci beaucoup. Donc, comme la souka émission de Kofedi, votre mot de la fin, l'actualité c'est aussi changement au niveau de l'ANR. Pourquoi en 5 ans ou 6 ans, toujours qu'il y a trop de changements, 3 changements déjà, permutation. Est-ce en rapport, Naoué Salemaki récemment, il y a un coup d'État, est-ce que vous avez des informations? Et votre mot de la fin, message à la population, Tosirisa. Oui, bon, avant tout ça, je voudrais quand même dire à notre ami. C'est bien de dire des choses, dire. Mais Joseph Kabila, quand il est parti, il nous a laissé quoi? Il nous a laissé des cadavres. Quels cadavres? Mais comment toi, tu es vivant? Ah, quelques cadavres, mon cher. Nous le pleurons jusqu'à aujourd'hui. Le plus célèbre, Ichebeya. Le plus célèbre. Il nous a laissé des cadavres à l'UDPS. Attends. Écoute. Nous avons eu des enquêtes qui ont donné des conclusions. Quelles conclusions? Nous avons eu des enquêtes qui ont donné des conclusions. Mais Chebeya, depuis qu'il est mort, jusqu'à ce que Kabila a quitté le pouvoir, on n'avait jamais eu de conclusions de qui a tué Chebeya. Est-ce que vous avez eu maintenant des conclusions? Où sont les conclusions de Chebeya maintenant? Parce que vous êtes au pouvoir. Vous pouvez me les dire? Oui, il y a des gens qui sont condamnés. Il reste, l'audience va passer. J'ai dit, il y a des gens qui sont condamnés. Non, il y a des gens qui sont passés. Pour se répondre de leurs actes. Non, par John Numbi, il y a les général de PEM là. C'est ma John Numbi n'est pas concerné. Tu n'es pas informé. Vous tuez les gens. Vous tuez les gens. Je suis arrivé au Kende où je t'ai posé la question. Il s'est suicidé selon le rapport. Selon le rapport. Selon le rapport. Il y a eu même des experts internationaux. On sait qui, hein? Il y a eu des experts internationaux. Moi, c'est la procureure, on n'a pas plutôt commenté. Moi, je donne de fait. Parlez-moi. Joseph Kabila part s'enrichir pour ses biens privés, pour lui-même et sa famille. Il a fait quoi pour les Congolais? Quoi? Il vous a laissé la constitution. Il vous a donné les pouvoirs. C'est pas moi, c'est Kabouya qui a dit. Kabila, t'allez, après, tu nous vous allez dire quoi? Laisse ça. Kabila pèse Abino Mokozi. Faut pas dire les Kabila choses. Kabila pèse Abino Mokozi, papa. Mais oui. Kabouya dit à pèse Abino Mokozi. Mais c'est Kabouya qui a dit. Légalement, élection, c'est Mais c'est moi qui ai la parole. Mais c'est Manda Kabouya. S'il vous plaît, calmez-vous. La constitution que Kabila nous a laissée dit qu'on parvient au pouvoir que par les élections. Ça veut dire que même lui, Kabila, sait que de par sa constitution, il ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Si Kabouya a dit ça, ça peut être un lapsus. Oh oui, je l'assume. S'il a dit que Kabila a donné le pouvoir à Félix, ça peut être un lapsus.
Parce que la constitution là que Kabila nous a laissée, que nous avons votée par référendum, dit qu'on ne peut acquérir, arriver au pouvoir que par les élections. C'est ça. Si toi tu as un autre point de vue, ça t'engage. Pourquoi pas Boukangalonzo? Mais vous avez laissé Boukangalonzo mort, vous avez transformé Boukangalonzo en vos biens privés, université et autre chose. On ne peut pas revenir sur une histoire qui est déjà tuée. Mais nous avons gagné Makassi, c'est ce qui fait ses preuves. Si toi, tu ne peux pas voir ça, nous avons quand même... Ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas assez... C'est de donner-les les moyens. Kanyema KCC, le général donne les statistiques d'amélioration. J'ai dit, on donne les améliorations parce qu'aucune entreprise au monde ne peut commencer aujourd'hui et atteindre le maximum de production. Chaque année, il y a augmentation de production à Kanyema KCC. C'est-à-dire que les moyens sont pourvus. Même si nous savons que les besoins sont illimités, les ressources sont limitées. Chutez-moi oui. Je chute pour dire aux Congolais, Boyoka ba opposant au Bazana Batusimate. Et la question de l'armée, tu n'as pas répondu. Ah, la sécurité, il faut vous rappeler qu'on vient de nommer un nouveau gouvernement. Ça, c'est un fait. Il faut tout changer. Je dis ceci, on vient de nommer un nouveau gouvernement. Il revient au chef de l'État de garder ce qu'il a trouvé performant dans le système et d'enlever ce qu'il n'a pas trouvé performant. Est-ce que c'est lié au coup, à la tentative de coup d'État? Je pense que ça peut être aussi ça. Parce que dans cette tentative de coup d'État, il y a des erreurs que certains services de sécurité auraient commises. Je n'affirme rien parce que je ne suis pas spécialiste de la sécurité. Mais ce que je sais, qu'il revient au chef de l'État de nommer qui il veut et quand il veut pour les besoins de la République. Moi, je n'en fais aucun problème. Mais seulement, je voulais insister. J'ai suivi dans les médias, nos amis ici n'ont autre fibre que le tribalisme. C'est comme il a dit ici, j'ai suivi Bruno, un autre opposant comme ça là, qui dit non. Dans le gouvernement, il y a plus de 30 ministres de l'espace Grand Kassai. Ce qui est faux. Merci. Juste pour attirer l'attention de ceux des Congolais, mais dans le mensonge. L'opposition, il faut la faire pour que les choses changent très dans bien. Notre pays. Merci avec beaucoup. Des vérités. Ce n'est pas par de mensonges. Loukouta Nabino, Ndebo Salike, mandat au Eleki. En tout cas, élection. Parce que vous n'aviez rien à dire aux Congolais. L'opposition qui est allée quand aux élections. N'était pas partie en 2006, il n'y avait pas. L'opposition qui est partie aux élections. Merci beaucoup. Ah, l'IDPS n'est pas partie aux élections en 2006. S'il vous plaît. Vous pensez qu'ils n'avaient rien à dire? Il avait beaucoup à dire. Et nous savons comment les élections s'étaient terminées. Merci beaucoup. Vous voyez, vous faites les élections avec Kabila, il vous fait passer. Merci beaucoup. Vous allez passer. Mais oui. Mais c'est notre ancien président, notre sénateur à vie. Je sais que tu l'aimes. Joyeux anniversaire, monsieur le sénateur à vie. Vraiment. Les causes pingalula, tout chité na yo elongo. Mais l'actualité, c'est aussi question et à cour constitutionnelle. Ouais, c'est prononcé qui. Kwesaka arrêt à cour d'appel na état d'élection à Congo central ba équipe ba sous bakani c'est que moi ma kambesale mala mingité au sa motami beko nini pinzande ni au monnaie dossier ango et votre mot de la fin message à la population des actualités dominent ezali oyana moni elenge wana azwaki ebonga wana na ndenge ya malamu biso to ayili ba yi politique moto ayala ki voter normalement. Alors, baninga ya oyo ba collaborateur ya 10e rue, oyo ba copié ba méthode ya kala ya ba papa mboso ya kobinela ka mobutu. Alors, ba ke kobina butu butu na 10e rue ba ye ko combattre lenge wana. Nous luttons pour le rajeunissement de la classe politique congolaise. En termes que to mekana no komona bilongi ya sika, bilenge ya sika, moto ya sika. Hein, Mobutu, un certain moment, kenda na université, toki batiseke di ayena bango mbala moko, tie bango a formé bango, pe bakenda. Kabila ya pe a formé classe politique moussou, a sali yango, pe lelo etikali, voilà lelo, tiseke di azo bénéficier nango. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, dites-moi produit IDPS, ezalite?
produit de paix c'est bilingue baza pe mami produit de paix dis moi j'ai invité ta produit de paix ministre à jeunesse y a le Germain Chabani a ta produit de paix dis moi produit de paix mais je suis en ministère je suis en train de citer je suis en train de citer sois calme ndeko nanga tango Germain Chabani a ta de paix il y a wazai de paix il y a mutu wapi il y a wazala na biso na kati ya azala na kati bongo Germain Chabani. Ah, boni boni. Bongo, guy-moi d'invita. Guy-moi d'invita, hein? C'est qui? Et là, vous allez comparer avec les classiques du FCC de l'époque. Ah, arrêtez-nous avec ça. Les gens qui arrêtez-nous avec détourné l'argent, laissez-moi, laissez-moi. Qui a détourné à l'époque? Laissez-moi. Je suis en train de dire, et l'engue wana, la cour constitutionnelle a comme total sakamwa maturité naïe parce que Azalagi paye beaucoup plus critiqué. Alors, ngai nambandi était Moussala Obasali et Ali Malamo, mais l'IDPS doit être sincère avec ses collaborateurs. L'IDPS doit être sincère avec ses alliés. Sinon, s'il ne continue comme ça, Bitumba ya IDPS ko utaka ke pa ba allié na ye et non dans l'opposition. Biso zo a matière ka le pa na bango. Ba potani ba tegele biso matière. Oh. Oui oui, bango moko. Pambate okomona même na gouvernement, IDPS a wambuli tout avec l'espace Kasai. Donc, au moment même, na kati ya ba il reprend encore cette erreur ici. Ce n'est pas le discours de mais ce sont des mensonges. On a des statistiques. On a des statistiques. Non, sois calme. Tosali na yo calcul. Yom to tangi nga ite. L'espace Kasai est bimi. L'espace Kasai est allé skanga penas na ozali. Oyebi. Alors, l'espace Kasai est bimi. Et bimi, premier, na kati ya ba répartition. Bon, on l'a l'obanin kasi. Est-ce que ça, ce sont les indices Yanine? Non. Donc, je serai en train de vous dire que. Alors, en Kasai, il y a 5 provinces. Ça veut dire qu'on peut dire 2 en moyenne. L'IDPS fait à la sincère avec ses collaborateurs. Bazo tchela baninga ba pou habitabe ming. Bazo kourube bango bazo luka. Heureusement que le président Kamoul était à Kosa la paix Moussala na imwa malamu. Kasina zong na rikambo etali aner. Aner nabiso mokondiwana ya aner a échouaki. Ça, c'est ce que lui ne va pas vous dire. Et puis je dirais au chef de l'État, au moins il bat ba nero ba changer ba on pamba pamba. C'est très dangereux parce que zali bato ba garder ba secret d'État à niveau moko ya likolo makasi. Ko changer ba ngolo la ngouba boye, ce n'est pas du tout bien. Imaginez-vous qu'il peut se livrer un jour na kubanda obusa ba secret d'État à voyager avec bimuli banda mboka lokwa bananga a komiko lo babilo balo. Moi, je trouve que pour moi, je constate comme si c'est par rapport à cet événement de Mananga, c'est ce qu'il y a. Parce que c'était inconcevable pour moi. Je ne sais pas appeler ça coup d'État, aventure d'État. C'est quoi, je ne sais pas. Une aventure de l'Union Sacrée ou c'est une aventure de quoi, je ne sais pas. Parce que comment je m'imagine, j'ai vu une vidéo où un militaire a dit « Ben, y a qui n'a mis tout cannabis sur la présidence. » Par contre, il y a présidence de la République. Comment les gens qui n'ont pas pu entrer chez Vital Kamerhe, qui a 3 policiers, et se sont permis d'entrer de l'autre côté. Où étaient les services de l'État? L'ANR doit beaucoup travailler, mais l'ANR n'a pas pu à commander qu'on a mis une mission politique, alors qu'il doit se concentrer sur les choses qui sont très importantes. L'ANR, c'est la sécurité du chef de l'État. Aussi, il faut leur dire que, base à la paix, il met. D'un côté, parce que même Bissot, avocat, tout ça n'a pas de difficulté, il y a quoi accéder pour nous, comme on a un client à Bissot, Kosololana Bango, va respecter le timing, la répartition de temps que la répartition Bango en qualité de DPJ. Alors, chef de l'État, local a changé Motowana, et ça a été une efficacité au Balakisaki sur terrain. Donc, comme on a M23, il y a eu Vanda Suki 14 mois, service à l'État presque, il y a eu Bangote. Ogomona na mananga ye a koti sina minduki a recruté a loué na bis transco a yena yango a koti a maniko sala na ba déclaration où était l'ANR. Donc ça montrait que comme un chef de l'État il s'est vu en insécurité et donc il est dans le droit ya kolongola pe koti a moto ya moni mais ngai na ko sukisa na koloba ete monsieur le chef de l'État, ce qui est plus primordial pour vous pour le moment, c'est que tombe la vie sociale il y a Congomani, Congomani il y a malamu, s'il y a guerre na este, s'il y a makamonyo, so zoba responsabilité na logo la chef de l'État. Ngai na kwa kapasi, kota la ete, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Parce que ce qui va pesa kata,
moto ya kenge la cimetière ya eteni tiseke di papier ya sale la biso gouvernement alinga bimse la biso chifo ote alinga bimse la biso ote ouezali esandi ouezali pili la mer ouezali population ako souffrir nango pendant 5 ans j'aime les Congolais parce que les Congolais se moquent de vous les Congolais vont se moquer de vous parce que dans ma camozolo tu n'as pas d'information. Mais c'est pas un certificat de coup d'état. Mais tu relèves.